Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier épisode de ce mode univers, du coup, qui sera en rediff sur YouTube. Et du coup, voilà, premier héros de ce mode univers. Salut, Anas. Bienvenue sur le live. Bon, j'espère que le live va pas trop bugger. S'il bug de trop, bah, c'est mort, je le ferai plus tard, tant pis. Bref, premier match aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on peut accueillir tout de suite un membre du New Day, Kofi Kingston. Qui va être, on va dire, enfin qui va être tout simplement dans cet opener de ce Raw, de ce début de mode univers. Donc voilà. Donc pour ce premier épisode, on aura tout simplement un putain de main event qui définira du coup le champion de Raw, parce que tous les, enfin le titre de Raw, le titre poids lourd de Raw et le titre poids lourd de SmackDown, bah il n'y a pas de champion et du coup ils vont être défendus dans leur premier show. Et là on accueille tout de suite l'adversaire du soir de Kofi Kingston. Il a tenté sa chance dans les fédérations indépendantes, mais il a fait son retour à la WWE. The American Nightmare, Cody Rhodes. Un putain d'opener pour ce tout premier round de ce mode univers. Qui a été galéré, et qui, enfin, qui ça m'a pris du temps. Hein. Parce que, voilà quoi. La connexion, ça me dit que ma connexion est bonne, mais quand je lance un live, ça bug toutes les deux secondes. Et même là, je vois que c'est pas fluide du tout. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Je vous garantis que les autres épisodes seront mieux. Là, c'est le premier épisode. Mais c'est le premier Raw aussi de ce mode univers. Et on commence tout de suite l'opener. Du coup, Kofi Kingston, Cody Rhodes. Et c'est parti. C'est parti pour cet opener de ce premier Raw de ce mode univers. Avec Cody Rhodes. Le coup de coude dans la face de Kofi Kingston. Allez, Kofi Kingston qui est projeté. Et Follow Slam. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, si, je crois que c'est comme ça. Allez, avec Cody qui va projeter Kofi Kingston dans le coin. Le elbow dans la face de Kofi Kingston. Et il va reprojeter Kofi Kingston. Et non, boum, le coup de genou dans le ventre. Tu hype pour Hell in a Cell? Ouais. Ouais, bah sans plus. Franchement, sans plus. Enfin, genre. Ouais, je sais pas. Ouais, franchement, non. Enfin, je pourrais pas dire que je suis hype, mais genre, ça va quoi. Genre, tranquille. Genre, ouais, je l'attends pas plus que ça, mais ça va. Le match que j'attends le plus, c'est Drew McIntyre et Dolph Ziggler contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Parce que si Seth Rollins et Dean Ambrose gagnent, et bah le Shield a tous les titres de Raw, donc ça serait cool. Moi j'aimerais bien voir ça, mais bon, bref. Mais voilà. Et Dolph Ziggler qui va aller sur la troisième corde. Attention, descente de la cuisse portée par Cody Rhodes. Allez, ce match. Ce match qui commence avec une grosse domination de la part de Cody Rhodes. Et une souplex. Ah. Et Kofi Kingston qui roule tout de suite à l'extérieur. Enfin, dès le début à l'extérieur. Alors que Kofi Kingston se fout un peu de la gueule de Kofi Kingston. Mais Kofi Kingston est revenu. Les droites. Attention, et une back souplex. Attention, il éclate le bras de Cody, pardon. Et encore une fois. Il s'occupe du bras, pardon, de... Enfin oui, il s'occupe du bras de Cody. Attention, il se jette sur Cody, ouh! Ouf! Attention, Kofi Kingston qui s'élance dans les cornes. Allez, Cody qui contre. Le coup de coude, non, contré, attention! Franchement, écrasement seul! Franchement, écrasement seul. Les coups de coude qui pleuvent dans le crâne de Cody. Allez, Kofi Kingston qui va ramener Cody au milieu du ring. Attention, attention, ouh, ouh, et boum, je sais plus comment ça s'appelle cette prise. Elle est tombée, le tombé de Kofi, one, et non, dégagement, dégagement de Cody, il n'y aura que un. Oh, allez, Kofi qui veut déjà en finir avec le SOS, le Troll in Paradise. Troll in Paradise. Ouais, franchement, je sais pas. Bah, après les autres matchs, ouais, ouais. Bon, ils m'intéressent aussi, mais moins. Et le tombé, attention. One, two. Et non. Dégagement de Cody Rhodes. Il y aura que deux. Il y aura que deux. Bon, il a déjà failli gagner quand même, Kofi Kingston. Non, Cody Rhodes qui contre. Oh, la corde à linge dans la face de Kofi Kingston. Oh, c'était violent, c'était violent. Eh hey Cody, eh hey, petit paquet, non, il va pas finir sur ça. One,
Dieu! Eh non, 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 Kofi qui se dégage. Oh, Kofi, eh Kofi, oh, Kofi qui fait le tomber! Eh non, dégagement! Oh, dégagement de Cody qui a failli se faire avoir à son propre jeu. Ouf, oh, du coup, il se fait enchaîner de coups de pied par. De la part de Kofi. Oh, Cody qui a failli perdre le match sur sa propre. On va dire, tricherie, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors que Kofi monte sur la troisième corde, enfin, monte Cody sur la troisième corde. Oh, Cody qui contre. Cody qui contre, il se retourne et il se jette! Boum! Le coup de la prend premier dans la face de Kofi Kingston. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Je prends le bras. Oh, la droite derrière la tête. Et il se lance sur lui. Non, Kofi qui contre. Kofi est très chaud dans ce match. Il va ramener peut-être Cody Rhodes dans le milieu du ring pour faire le tomber. Non, il s'attaque encore au bras de Cody. Et il relève Cody. Attention, le Rock and Rana. Porté et le tomber. One, non, non, dégagement. Dégagement direct de Cody. Allez, avec la descente du genou de Kofi. Allez, il relève Cody Rhodes. Attention, une souplex. Oh, Kofi. Non, 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 Kofi, Kofi. Il l'attend pour le Troll in Paradise. Non, il contre. Cody qui contre. Cody, Cody, avec son deuxième finish, on va dire. Boom! Allez, il surprend Kofi. Peut-être la fin du match. One, two. Et non! Dégagement de Kofi Kingston. Magnifique contre de la part de Cody. Et regardez Cody qui commence un peu à s'énerver. Hein. Cody qui commence un peu à s'énerver. Et il relève Kofi Kingston. Regardez, il va le balancer à l'extérieur. Il va le balancer à l'extérieur. Regardez, il se fout un peu de la gueule de Kofi. Et Cody qui va le rejoindre. Qui va rejoindre le petit Kofi Kingston. Attention, il va le jeter dans les barricades. Oh, plein sur les barricades. Et Cody qui rentre. Cody qui provoque un peu Kofi Kingston. Ah, mais Cody, regardez, il se fait recaler par l'arbitre. Oh, le coup de genou! En plein dans le ventre de Kofi. Et regardez, il l'attend. Il l'attend. Il attend peut-être pour le crossroad. Le crossroad. Le crossroad en préparation. Crossroad! Oh, bah, c'est la fin. C'est la fin. C'est clairement la fin. C'est la fin. One. Two. Et tout est victoire de Cody Rhodes pour cet opener de folie de ce Raw. Cody Rhodes qui gagne ce match, mais franchement Kofi, enfin Kofi, si Kofi Kingston aurait gagné, il aurait vraiment mérité. Les deux méritaient. C'est un très très bon opener de ce Raw, de ce début de mode univers aussi. Avec une victoire de Cody Rhodes. Oh, et les deux, ils sont pas prêts de s'oublier. Hein. Les deux, à mon avis, ça va peut-être partir sur une rivalité. Hein. Je sais pas. En tout cas, c'est un très 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 bon match. Eh hey, Cody? Qu'est-ce Cody? Que fait Cody? Ouais, il relève Kofi, qu'est-ce qu'il fait? Attention, attention, non, 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 il le jette dans la barricade. Oh! Oh, il lui éclate la tête en plus dessus. Oh, le drop kick. Que fait Cody là? Eh, il va chercher un objet en dessous. Oh, le Sledgehammer! À la Triple H, écoute Sledgehammer! Et encore un deuxième! Et il l'attend. Il l'attend. Non, 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 non. Il l'attend encore pour un autre Crossroad. Mais c'est la fin du match là, Cody, barre-toi! Cody, barre-toi, non! Oh là, je suis un Dignity! Oh là là, oh, ils sont pas prêts de s'oublier les deux. Les deux sont pas prêts de s'oublier. Et on est reparti du coup pour ce deuxième match de la soirée. Et regardez, on l'a entendu tout à l'heure aussi. La voix de Biggie, tout à l'heure Kofi Kingston, dans cet opener, a perdu contre Cody Rhodes. Mais le reste de son équipe, le New Day, donc Biggie et Xavier Woods ce soir ont aussi un match. Et regardez, ils sont là. Et oui, ils sont là, le reste du New Day. Qui ont eux aussi un match ce soir contre les Authors of Pain, les champions de Raw, tout simplement. Ils sont là sans Kofi Kingston, bien sûr, qui vient de faire un match magnifique contre Cody Rhodes, qui a malheureusement perdu et qui s'est fait attaquer à la fin par Cody Rhodes. Enfin, qui s'est fait attaquer entre parenthèses par Cody Rhodes à la fin.
Mais le reste du U-Day, peut-être ce soir, vont gagner, peut-être. En tout cas, ce soir, ce sera Xavier Woods et Biggie qui vont représenter le New Day, car comme je viens de vous le dire, Kofi Kingston a eu le match, enfin un match en opener. Et ce soir, en plus, ils affrontent pas n'importe qui, ils affrontent quand même les champions tag team, les Authors of Pain. C'est pas n'importe quelle équipe aussi, c'est les champions d'Euro quand même. Je me répète, mais c'est vraiment pas n'importe quelle équipe. Les Authors of Pain qui détruisent tout le monde, tout simplement. Et d'ailleurs, on va les accueillir. On va les accueillir. On va les accueillir, les Authors of Pain, les champions d'Euro. Oh, regardez, regardez, écoutez cette musique. Eh oui, ils sont bien là. Les Authors of Pain. Et voilà, ils sont là avec les titres. Akam et Razor. Les titres ne seront pas défendus, bien sûr, ce soir, car on est à Raw, bien évidemment. Mais ce soir, Akam et Razor ont pour objectif, pardon, de détruire le New Day. Author of Pain. Ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont champions tag team de Raw. C'est vrai qu'ils ont contrôlé. Enfin, c'est même pas en fait vraiment une rivalité qu'ils ont contre le New Day. Hein. C'est pas vraiment une rivalité qu'ils ont contre le New Day. En fait, les Authors of Pain, ils détruisent tout le monde. Donc ils sont en rivalité avec toutes les tag teams. Hein. Clairement, il n'y a pas une seule tag team qu'ils apprécient. Non, non, ils détruisent tout le monde. Akam et son frère, Razor. Ça va être un très beau match tag team. Ça va être le deuxième match de ce Raw, de ce Raw magnifique. Et surtout le main event, un 6-man battle royale pour le titre. Et on verra qui sera le champion de Raw. Et pas, bah, il y aura la même chose à SmackDown. Allez, c'est parti pour ce match. Avec. Oh, avec. Oh, Xavier Woods. Xavier Woods qui compte direct. Boum! Dignity. Alors, je sais plus c'est qui est sur le ring. Je sais plus si c'est Akam ou Rezar qui est sur le ring. Je sais plus. Je sais même plus c'est qui. Allez. Avec Xavier Woods qui domine pour l'instant. Non, non, c'est bon. Allez. Boum, corde à linge. Allez. Attention, projection à l'extérieur direct. Non, non, Kofi Kingston. Xavier Woods qui contre, il se jette, boum! Il se jette direct sur eux. Bah du coup, je sais plus c'est qui. Boum, dropkick encore une fois. Et Xavier Woods est chaud là. Xavier Woods qui domine pour l'instant le membre de Author of Pain. On va dire ça parce que du coup, je sais plus c'est qui. Je sais plus qui est qui. Non, ça y est. Et le membre de Author of Pain qui contre et le neckbreaker. Bon, il va direct changer. Non, même pas, non. Non, on pensait qu'il allait changer. Et mon troisième corps dans le splash. Et il change. Voilà, c'est Akam. C'est Akam qui rentre sur le ring. Donc c'était Rezar sur le ring. Là, c'est Akam, ok. Allez, Akam qui est sur le ring. Direct le premier changement dès le début de ce match. Avec Xavier Woods, wow! Xavier Woods qui est chaud là. Ouais, non, non, mais Akam il est pas là pour rigoler. Boum, coup de tête. Allez, va te coucher. Allez, Akam, il le relève. Non, non, mais non! Mais Xavier Woods est chaud là! Xavier Woods est à fond! Allez, il projette Akam dans le coin. Il va peut-être faire le changement avec Biggie. Ouais, le changement avec Biggie, allez. Allez, deuxième changement. Et premier changement surtout du New Day. Ouais, non, mais Akam, il se remet direct. Oh, il en a marre. Boum, coup de coude dans la fosse. Allez, Akam contre Biggie là. Allez, Akam qui va projeter Biggie dans le coin. Il se jette dessus, un écrasement. Dégage, gamin. Oh, il y a corde à linge, oh là là, mais. Author of Pain, ils sont pas là pour rigoler, Author of Pain. Même si là, je sais pas ce qui s'est passé avec Xavier Woods qui était vraiment chaud pour le début de ce match. Mais regardez, il relève Biggie, il le recouche direct. Oh, ça y est, Biggie. Ça y est, Biggie qui contre. Allez, le coup dans le dos. Dans la nuque plutôt. Oh, il y a Akam qui contre encore. De toute façon, le coup dans le dos, mais. Akam arrête pas de détruire comme ça, Biggie. Oh, il a fait tomber un peu Xavier Woods. Oh, la droite dans la face de Xavier Woods direct. Ça, c'est. On va dire, c'est pour ce que Xavier Woods a. On va dire, donné, on va dire. Donné. Et là, avec Rezar qui travaille un peu sur le corps de Biggie.
au sol. Enfin, pas vraiment au sol, mais ouais, si, c'est au sol. Allez, Akam, qui va projeter Biggie dans les cornes. Attention. Oh, Biggie qui contre. Allez, avec le coup de genou. Et Biggie qui le prend, Akam sur ses épaules. Et boum! Magnifique prise portée par Biggie. Et Biggie qui va peut-être changer avec Xavier Woods. Ouais, mais Xavier Woods est chaud. Allez, Xavier Woods qui rentre. Oh, Xavier Woods, Xavier Woods. Oh, la manchette, bien joué. Bien joué, portée. Enfin, manchette portée par Xavier Woods. Qui monte sur la deuxième corde. Attention, hey, Xavier Woods. Non, non, il descend, il descend. Il voit que Akam se relève. Oh, mais Akam qui contre. La droite de Xavier Woods. Oh, la corde à linge. Xavier Woods est vraiment chaud là. Oh, eh, il contre Xavier Woods. Hein. Attention, il le prend. Oh, écoute, tête. Calme-toi. Alors que le public score New Day. Attention, il y a Akam. Akam. Akam qui va voir son frère Ezar. Et son... Non, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis pour leur tag team. Bam! Leur finish tag team. Attention, et qu'est-ce qu'il fait? Boum! Ezar qui dégage Biggie. Et il fait le tomber. Non, me dites pas que c'est déjà la fin. Me dites pas que c'est déjà la fin. One, two. Et non! Xavier Woods qui est très résistant dans ce match. Oh, maintenant, voilà. Alors, Ezar, là, ça l'a énervé. Rezar, ça l'a enlevé. Deuxième corde à linge. Ah, Rezar, ça l'a saoulé là. Et la droite, non, contrée par Xavier Woods. Qui vient de se prendre quand même le finisher tactique, mais il arrive quand même à se contrer. À contrer, boum. Et retourne au sol, gamin. Attention, qu'est-ce qu'il fait, Rezar? Oh, attention, boum, son coup spécial. Pardon, excusez-moi. Oh, accent anglais de ouf. Attention, non, Xavier Woods qui contre alors qu'il vient de se faire prendre le coup spécial quand même. Et les droits de Xavier Woods. Le droit de Xavier Woods. Mais Xavier Woods est chaud. Attention. Hey, attention, attention. Boum. Regardez, il est chaud le Xavier Woods. Oh. Le finish. One. Non, non, Rezar qui se dégage direct. Putain, mais Xavier Woods, on sait pas ce qu'il a mangé ce matin, mais il est chaud. Hein. Alors que Rezar là qui compte, ça y est, Rezar il se réveille. Elle est à droite dans le ventre. Allez, il projette Xavier Woods, hein, il le reprend vers lui. Oh, le coup du bélier là. Attention, il y a encore un coup du bélier. Allez, relais Xavier Woods. Non, mais Xavier Woods qui contre. Allez, Xavier Woods qui retourne. Attention, il va projeter Rezar dans son coin peut-être. Oh, Xavier Woods. Les droits de... Enfin, les coups de pied de Xavier Woods, pardon. Attention, le New Day. Le New Day, les coups de pied de Biggie. Les coups de pied de Biggie. Allez, encore. Le coup de pied de Xavier Woods, encore une fois. Et allez, non mais qu'est-ce qu'ils font? Et attention, boum! Magnifique! Hey, Rezar! Rezar qui... Enfin, Akam qui fait diversion! Akam qui fait diversion là! One, two, et non, dégagement! Oh, Akam qui a fait diversion, très intelligent de la part de Akam! Allez, voilà, Rezar qui se relève! Oh, Akam qui a été très intelligent. Allez, Rezar. Rezar, il va le projeter. Et attention, ils sont partis. Ils sont partis pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, leur finish tag team. Pour la deuxième fois, leur finish tag team. Boom. Et attention, Akam qui va vers Xavier Woods. Oh, la droite. Et que fait... Non, mais que fait Akam? Que fait Akam? Mais que fait Akam? Il perd du temps. Que fait Akam? Il perd du temps. Ouais, mais de toute façon, c'est mort. C'est quand même mort. Il fait le tomber sur Biggie, mais c'est mort. One, two. Et non, bah oui! Il a pris trop de temps. Il a pris trop de temps. Attention, il dégage Biggie à l'extérieur. Ouais, mais il a pris trop de temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait Akam? Qu'a fait Akam? Mais pourquoi Akam a pris autant de temps? Attention, il va projeter Biggie dans les escaliers, boum!
Et Akam qui rentre. Et il va faire le tag avec Rezar. Alors que Biggie se fait des con... enfin, se fait compter à l'extérieur. Et attention, alors que Rezar. Qu'est-ce qu'il fait, Rezar? Oh, Rezar qui ramène Xavier Woods dans le ring. Xavier Woods qui roule à l'extérieur. Mais Biggie, là, on est déjà à 4. On est déjà à 4. Ouais, mais l'arbitre qui retient Rezar aussi. Ah non, on est à 6, pardon. Attention, la corde à linge. Non, Biggie. 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 Elle est avec Rezar là qui se fait dominer, on va dire, par Biggie là. Attention, Biggie. Biggie qui va relever Rezar. Il va relever Rezar. Attention, non, Rezar qui compte. Rezar, Rezar, Rezar. Il est parti. Il est parti avec. Boom. Substitution. Russian Wrestling, c'est fini. 1, 2, et non! Biggie! Xavier Woods, pardon, qui court, enfin qui vient interrompre le tombé. C'est pas grave, Rezar, Rezar, il est parti avec son finish. Alors que Xavier est là, ouais, donc Xavier revient dans son coin, boom! La powerbomb! Et bien, non mais Akam, enfin Rezar, pardon, qu'est-ce qu'il fait? Rezar qui monte sur la troisième corde! Et le splash! Mais non, c'était le truc de trop! Mais je crois que les Hauteurs of Pain sont vraiment stupides. Alors que Biggie s'élance. Et attention, Biggie, le splash. Je crois que les Hauteurs of Pain sont vraiment stupides. Ils perdent du temps. Ils auraient pu gagner au moins 3 fois. Ouais, mais ils s'amusent. Ils sont en confiance. Les Hauteurs of Pain sont en confiance. Ces hommes, depuis qu'ils sont champions, ils sont plus en confiance. Regardez, regardez, là, la preuve, ils comptent Biggie. Et la German Suplex. Ce match, ça fait 5 heures qui dure déjà là. Oh, la corde à linge encore. Qu'est-ce qu'il fait? Rezar, hey, Rezar, hey, Rezar, pourquoi il vient prendre l'escalier là? Eh, hey, c'est pas un match Extreme Rules. C'est pas un match Extreme Rules. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène l'escalier. Il va projeter Biggie sur l'escalier, attention! Oh, Biggie s'est pris les pieds dessus, après il est retombé sur la corde. C'est quoi ce match qui dure 5 heures là? Attention, et Biggie qui arrive quand même à contrer le neckbreaker. Et ce match va encore durer longtemps. Mais ce qui est stupide, c'est que le Hauteur of Pain aurait pu gagner depuis longtemps. Attention, et voilà. Attention. Oh, Rezar, Akam, pardon, qui vient aider Rezar. Akam qui est venu aider Rezar. Et attention, et boum, surpassement. Oh là là, mais ce match est infinissable. Ah si, ça y est, Russian Leswick. Russian Leswick. Allez, allez, là, allez, finis saison. Mais non, mais Biggie qui contre. Attention, il projette Rezar dans l'autre coin. Oh! Eh, ça devient n'importe quoi, ils sont tous dans le ring là. Ils sont tous dans le ring. Ça devient n'importe quoi, ils sont tous dans le ring. Le tombé. Eh, le tombé là, Zack Greywood. One! Et non, dégagement! De Akam, alors que Biggie est en train de se battre avec Rezar là, mais non, mais ça devient n'importe quoi. Ils sont tous dans le ring. Un des Rezar qui est en train de défoncer Xavier Woods, alors que Biggie est en train de défoncer Akam. Oh, regardez, Biggie qui aide Xavier Woods. Eh, c'est peut-être la fin là. Akam est seul dans le ring. Attention, Xavier Woods qui projette Akam dans le coin. Eh, non, 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 c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin. Attention, boum. Travail tag team là. Oh, et Biggie l'attend. Biggie l'attend. Biggie l'attend. Attention. Big and Dig. Boum. Eh non. Mais non, mais Rezar. Rezar qui vient défoncer l'arbitre et il vient défoncer Biggie. Oh, mais c'est quoi ce match qui dure 5 heures? Et regardez, boum. Allez, Rezar,
qui vient mettre un gros coup de tête sur la tête de Biggie. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh, il va chercher une batte. Il va chercher une batte. L'arbitre est KO. Oh, le coup de batte de baseball et la souplex. Le coup de batte de baseball et la souplex. Et le tombé, le tombé. Oh, mais il vient de se faire prendre un coup de batte de baseball. One, two, et non! Biggie se dégage encore. On n'arrive pas à y croire. Et encore une corde à linge. Non mais, c'est quoi ce match? Ça fait 5 heures que ce match dure. Faut que ça se finisse. Faut que ça se finisse. Bon, il vient de dégager Biggie. Enfin, il vient de dégager Xavier Woods, pardon, du coin du ring. Et c'est parti. Ça y est, c'est le finish. C'est le finish. C'est le finish de Hakam. C'est fini. One, two, et non, mais non, mais non. Biggie se dégage. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Razor qui va rentrer. Non, non, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Comment Biggie fait pour... Non. Allez, 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 allez. Razor qui va projeter Biggie dans le coin. Et ça y est, ils sont partis pour leur finish tag team. Ils sont partis pour leur finish tag team. Allez, la troisième fois. Boom. Et attention. Mais non, mais putain. Mais il voulait aller. Il voulait aller mettre une droite à Xavier Wood. En fin de compte, il se fait dégager. Ouais, mais il va en mettre une. Et boom. Oh, c'est... Non, mais. Non, mais what? Ah, mais. J'en ai marre. Le tombé, le tombé. C'est fini, c'est fini. Là, c'est fini. One, two. Et tout est putain, enfin! Victoire de Author of Pain. Ce match était n'importe quoi. Ce match était n'importe quoi. Les Author of Pain ont fait n'importe quoi pendant ce match. Ils ont voulu s'amuser et à force de trop s'amuser, ils ont failli perdre le match. Ça a failli leur coûter le match. Même là, après toute la douleur et tout. On va dire. Je sais pas. Ça m'a épuisé. Ce match m'a vraiment épuisé. Putain, ce match quoi. Et c'est que le deuxième match de la soirée. Et les Author of Pain repartent gagnant ce match, les champions. Oh, ils en ont chié. Ils en ont chié. Et du coup, eh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Eh, Braun Strowman et... Eh, c'est Braun Strowman et Drew McIntyre. Braun Strowman et Drew McIntyre. Attention, Braun Strowman. Oh, la droite. La droite dans Drew McIntyre et McIntyre et la droite. Eh, ils sont dans les backstage là. Qu'est-ce qui se passe? Boom. Alors qu'on voit Neville au fond. Attention, Braun Strowman. Oh, Braun Strowman, colonel. Attention, Braun Strowman qui prend Drew McIntyre et une souplex. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les deux s'affrontent là, on va dire? Et Braun Strowman, oh, qui jette. Oh là là, Drew McIntyre dans le mur. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Attention, Braun Strowman qui va prendre Drew McIntyre encore une fois en souplex. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, ils ont rien, ils ont pas de rivalité, les deux. Oh, il se fait jeter dans le mur encore. Les deux n'ont pas de problème de base. Enfin, je sais pas, ils se sont rarement croisés. Et un des Braun Strowman qui envoie Drew McIntyre dans les vestiaires, pardon. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Braun Strowman qui relève Drew McIntyre. Il le jette. Oh là là. Non, non, ça y est, Drew McIntyre qui compte. Regardez le coup de tête de Drew McIntyre. Oh, le coup de coude sur Braun Strowman. Et Braun Strowman qui contre. Qui contre Drew McIntyre qui voulait l'emmener on ne sait pas où. Attention, il se jette. Boum. Qu'est-ce que fait Braun Strowman? Il prend une chaise. Attention, oh. Attention, oh. Oh, sur le bras. Oh, sur le bras encore. Oh, sur le corps et sur le bras, mais surtout le bras là. Oh, il s'attaque au bras de Drew McIntyre. Attention, il jette Drew McIntyre sur la table. Oh là là, enfin, vers la table. Braun Strowman, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 non. Non. Boom. Oh là là, et Braun Strowman. Non, non, Drew McIntyre qui contre. Attention, oh. Attention, ouais, doucement, doucement, doucement. Non, Drew McIntyre.
Drew McIntyre qui se fait contrer par Braun Strowman. Enfin, Braun Strowman, pardon, qui contre Drew McIntyre. Et il va emmener Drew McIntyre vers la table. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Non, non. Eh, Braun Strowman. Le powerbomb. La powerbomb à travers la table. Non, 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 non. Non. Eh non. Powerbomb à travers la table. Et allez, on arrive à l'avant-dernier match de ce Raw. Et quoi de mieux qu'un petit match des Women's de Raw? Eh oui. Et la première à faire son entrée, il s'agit de la boss, Sasha Banks, qui va affronter tout simplement Emma ce soir. On vous rappelle que Emma a intégré, entre parenthèses, le Bullet Club. Le Bullet Club, ouais, enfin, c'est la Women's en fait. C'est la seule Women's qui est dans le Bullet Club. On vous rappelle que le Bullet Club est composé de Finn Balor, Kenny Omega, Luke Gallows, Karl Anderson. Et il y a Emma. C'est la seule du Bullet Club de la fédération féminine, du coup, enfin bref, vous avez compris. Alors que là, bref, on n'est pas là pour parler de Emma, même si elle arrive après. Là, on parle surtout de la boss, Sasha Banks. Ce soir, qui a un petit match contre Emma, dans ce premier Raw de ce mode univers. Et après, on aura le main event, le 6-man Battle Royale pour le titre de Raw. Allez, on va accueillir Emma. Et on accueille tout de suite la nouvelle membre, on va dire, du Bullet Club. Enfin, c'est la seule femme du Bullet Club, la seule woman. Et on l'accueille. Elle est où? Elle est là. Regardez cette tenue du Bullet Club. Elle représente le Bullet Club. Elle nous vient d'Australie, elle représente le Bullet Club. Emma. Magnifique tenue de Emma qui est tout en noir et en blanc comme tout simplement les couleurs du Bullet Club. On vous rappelle, hein, enfin, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, mais c'est parce que je suis pressé. Mais après ce match, c'est le main event, le 6-man Battle Royale pour le titre de Raw. On va savoir qui va être notre champion de Raw. Et c'est parti pour ce match, en tout cas des Women's. Emma contre Sasha Banks. Emma perd pas de temps, boum! Jumpcake! Et regardez, elle se tape les mains. L'air de dire c'est trop facile. Mais c'est quand même la boss, regardez. Voilà, elle lui rend les coups. Et la droite. Attention, Sasha Banks avec un neckbreaker. Voilà, Sasha Banks qui lui rend les coups. Non, mais ça y est, Emma, voilà. Emma qui contre. Allez, Emma aussi qui rend les coups. Hein. Dropkick, n'en contrait pas, on va dire Charlotte. Enfin, pas Sasha Banks. Et la droite là de Sasha Banks qui a dégommé ce Emma. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez, Sasha Banks qui va relever Emma. Allez, Emma qui contre Sasha Banks. Et là, elle envoie Sasha Banks à l'extérieur. Et regardez, elle se fout de sa gueule, clairement. Elle se fout de la gueule de Sasha Banks. L'air de dire, c'est trop facile. Mais comme je viens de le dire, c'est la boss qui est en face quand même, c'est pas n'importe qui. Allez, avec Sasha Banks, qui prend? Emma, non, Emma qui contre. Allez, Emma qui relève Sasha Banks. Attention, la droite, contrée par Charles, pas contrée par Sasha Banks, pardon. Attention, Rakenrana contre eux, on prend Emma avec le powerbomb. Mais il n'y a que des contres, il n'y a que des contres dans ce match. Non, contrée encore la droite par Sasha Banks. Emma qui contre, attention. Et la droite, non. Allez, elle emmène. Oh, Sasha Banks au sol. Et le kick dans le dos. Allez, Emma qui va relever Sasha Banks. Allez, une droite. Et une autre. Allez, une autre. Et attention, Sasha Banks qui contre, qui ramène Emma au sol. Oh, mais Emma qui contre avec une droite dans le ventre et le dropkick. Allez, Emma qui relève Sasha Banks. Projection, Sasha Banks qui contre, attention. Et Sasha Banks, allez avec les droites sur la face de Emma, boum. Et Sasha Banks, il monte sur la deuxième corde. Attention, Sasha Banks, boum. Le splash porté par Sasha Banks qui va relever Emma. Attention, Sasha Banks qui projette Emma dans le coin. Elle met Emma sur la troisième corde.
Emma qui contre. Attention, Emma sur la troisième corde. Boum! Un jeu porté, enfin, de la part de Emma, ce crossbody, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et le tour est one. Non, il n'y aura que un. Il n'y aura que un. Et regardez, elle arrête pas de se moquer de Sasha Banks. Elle se moque littéralement de Sasha Banks. Elle se moque de la boss. Attends, Emma qui domine un peu. Oh, la bonne droite là portée par Emma. Allez, une droite et une autre. Attention, Emma qui va s'occuper de Sasha Banks. Attention, qu'est-ce qu'elle fait? Attention. Oh! Magnifique prise portée par Emma. Allez, Emma. Emma qui attend peut-être Sasha Banks pour en finir. Elle attend peut-être Sasha Banks pour en finir. Non, juste une droite, non, contrée par Sasha. Attention, et Sasha Banks. Attention. Et une back suplex. Portée par Sasha Banks. Et regardez, Sasha Banks aussi. C'est un peu nargué, Emma. The boss. Attention, à une soumission. Soumission portée par Sasha Banks. Soumission portée par Sasha Banks. Sasha Banks. Et attention, et Emma. Emma qui se dégage. Oh, le coup de coude. Le coup de genou. Le coup de genou, pardon. Excusez-moi. Attention, il se jette. Non. Sasha Banks qui contre. La droite. Attention, le coup de pied dans le domaine. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Et neck breaker. Attention, Sasha Banks. Sasha Banks qui s'élance. Attention, le kick. Speedy kick. Enfin, ouais, je suis plus en fait. Sasha Banks qui va attendre Emma. Sasha Banks qui va attendre Emma. Non, Emma qui contre. Emma qui contre. Et Emma, Emma, attention. Emma qui est partie pour son finish. 1, 2, et 3. Emma qui gagne ce match. Oh là là, la surprise Sasha Banks. Sasha Banks était prêt à faire son backstage. Je sais plus comment ça s'appelle. Et Emma qui a su contrer au bon moment et enchaîner avec son finish. Son propre finish. Son propre finish. Et du coup, victoire de Emma et première victoire pour le Bullet Club pour ce premier round. Et ouais, Emma peut être fière d'elle. Hein. Elle a dominé presque tout le match. Enfin, elle a dominé pas mal le match, quoi. Et du coup, on est parti avec le main event, le six-man battle royale pour le titre. Et regardez, regardez le premier participant, parce que vous ne connaissez pas les participants. Mais regardez le premier. Burn it down. Le premier, The Architect du Shield. Et il est bien là. Seth freaking Rollins. Avec la tenue du Shield, parce que le Shield est reformé, pardon. Et le premier participant, il est là. Rollins. C'est le premier participant, le challenger. Ouais, parce qu'on vous rappelle que, enfin, en fait, si vous voulez, c'est pas qu'il n'y a pas vraiment de champion, mais c'est surtout qu'en fait, pour l'instant, le champion c'est Roman Reigns, oui, qui est dans ce match du coup. Mais pour l'instant, le champion est Roman Reigns. Mais en fait, si vous voulez, ce match, c'est vraiment pour savoir qui va être le champion de ce renouveau de la mode, du mode univers, même si c'était Roman Reigns. Donc on compte comme quoi le titre n'est pas et à personne en fait, même si c'est Roman Reigns le champion. Donc il va emmener le titre et tout, mais en fin de compte le titre est à personne. C'est ce qu'a dit la dernière fois Stéphanie, le titre est à personne. Et justement c'est pour ça que ce match, on va savoir qui va être notre véritable champion de Raw. Donc si Roman Reigns regagne, il gardera son titre, même s'il est considéré comme ne pas être le champion. En tout cas bref, on a accueilli Seth Rollins, on va accueillir tout de suite le deuxième dans ce Battle Royale à 6. Oh oui, eh oui, il a fait ses débuts à Raw il y a pas longtemps, avant il était du côté de SmackDown. Eh oui, le deuxième à faire son entrée dans cette Battle Royale à 6. Il nous vient de Saint Louis, Missouri. The Apex Predator, Randy Orton, le deuxième à faire son entrée.
Il n'y en a pas un seul qui n'est pas favori dans ce match. Ils sont tous favoris. C'est ça le truc. C'est le truc compliqué, c'est qu'ils sont tous favoris. Le pire, c'est qu'Orton a fait ses débuts à Raw il n'y a pas longtemps. Parce que, comme je vous l'ai dit, il était à SmackDown de base. Et il a fait ses débuts à Raw il n'y a pas longtemps. Et il est déjà dans le 6-man Battle Royale pour être le visage de Raw. Pour être le champion, le véritable champion, comme a dit Stéphanie. Même si le véritable champion actuellement, c'est Roman Reigns. Mais comme a dit Stéphanie, je le répète, il n'y a pas actuellement de champion. Même si c'est Roman Reigns. Bref, The Legend Killer, le deuxième dans ce match. Alors que là, on va bientôt accueillir le troisième. The Apex Predator. Qui pourrait faire un très bon champion de Raw. Et le troisième, du coup, à faire son entrée, attention, c'est qui ? Attention, c'est Rusev. C'est la brute. C'est la brute Machka. Rusev. Eh oui, il est bien dans cette 6-man battle royale. Rusev, le Machka. The Machka every day. Rusev, qui est peut-être le moins favori de ce match. Mais Rusev est un très gros catcheur. Une très très bonne superstar, il peut nous surprendre en gagnant tout simplement. Il peut largement nous surprendre. Rusev, qui est le moins attendu, hein, comme je viens de vous dire, pour gagner ce titre. Mais bon, il pourrait nous surprendre. La brute bulgare, qui est le troisième à faire son entrée dans cette Battle Royale à 6 pour le titre. Et il en reste encore 3. À faire leur entrée. Il en manque encore 3 et le match pourra commencer. Qui va être le quatrième du coup? Oh ouais! Et il s'agit du champion, ou comme dirait Stéphanie, du non-champion, le Big Dog Roman Reigns. Même s'il vient avec le titre, comme a dit Stéphanie, il faut l'écouter Stéphanie, comme a dit Stéphanie, ce n'est pas le champion. Il nous vient de Florida. Le Big Dog. Et c'est le champion. Enfin, aux yeux de Stéphanie, non. Mais si, non, on le voit, il a le titre. Donc le champion, Roman Reigns, le Big Dog. Si ce soir il gagne, il conservera son titre, on va dire. Enfin, il re-remportera son titre, même s'il l'a déjà autour de lui. Roman Reigns qui a une grosse pression ce soir. Il peut perdre son match comme. Enfin, il peut perdre son titre. Enfin, il peut perdre, pardon, son titre comme ça. Même si aux yeux de la WWE, on va dire, c'est plus à lui ce titre. Ce titre est à personne. Mais bon, en attendant, c'est lui qui fait son entrée avec le titre autour de ses hanches. The Big Dog, Roman Reigns. Depuis la reformation du Shield. Il est plus acclamé, hein. Avant il était vraiment hué de ouf. Maintenant il est un peu plus acclamé. En même temps le Shield ça marche bien. Mais là d'ailleurs dans ce match il y a deux membres du Shield. Seth Rollins et Roman Reigns. Qui vont se mettre sur la gueule quand même, hein. Les deux membres du Shield. Il manque Dean Ambrose, mais Dean Ambrose n'est pas là ce soir. Deux membres du Shield qui vont se mettre sur la gueule. Mais bon, c'est comme ça. Allez, le cinquième membre de ce match. Oh, eh oui, on vous a un petit peu menti. Parce que tout à l'heure, pendant le match de Emma, si vous avez bien entendu, je vous ai dit que c'était le seul membre du Bullet Club, la seule membre du coup du Bullet Club, ce soir. Eh bien non, regardez, on accueille tout de suite le chef du Bullet Club, The Baylor Club, Bullet Club. Et il est là, le Demon King, Finn Balor, avec le maillot du Bullet Club. Et il est bien là ce soir pour être notre champion de Raw. Surtout pour faire dominer le Bullet Club à la WWE. Et il est bien là. Il nous vient d'Irlande. Finn Balor. Et regardez la foule. Et regardez la foule qui suit. Le leader du Bullet Club, le Demon King.
Une belle heure pareil. C'est sûrement le plus gros favori aussi de ce match. Hein. Oh, il est largement. Oh, il est soit premier, soit deuxième favori de ce match. Hein. Même s'il y a des gros superstars et tout, c'est le deuxième ou premier ou deuxième. Ils sont tous favoris dans ce match. Comme je vous dis, il y a juste Rousseff qui est un peu moins favori. Mais Rousseff peut très vite nous surprendre. Et Finn Balor, ce qui est sûr, le leader du Bullet Club, c'est l'un des favoris. C'est l'un des favoris. Regardez la foule, regardez la foule. Eh oui. Eh oui. La foule qui suit le Demon King. Finn Balor qui fait son entrée, on va dire en cinquième. Et il nous en manque un. Il nous en manque un. Il nous en manque un, pardon. Alors par contre, le cinquième, enfin le sixième, on sait pas du tout qui c'est. Ça peut être n'importe qui. Encore cela, on savait entre parenthèses, c'était qui. Mais par contre, le sixième, on ne sait pas qui ça peut être. Vraiment pas du tout. Qui va être le sixième? Oh! You think you know me? Non, mais non. Mais non, mais non. Mais si, il est bien là, en tenue de catch. The Rated R Superstar. Edge. Il nous vient de Canada. Du Canada, pardon. The Rated R Superstar Edge. Oh bah... Bon bah voilà. On a peut-être notre favori. Je ne sais pas. The Rated R Superstar qui fait ses retours dans le ring. Imaginez Edge gagne le titre. Imaginez Edge gagne le titre. Oh, ça serait beau. Ça serait magnifique. Le Rated R Superstar au sommet, ça serait magnifique. Ah, il nous a manqué. Il nous a manqué. Ce match, il est parti. Oh, ce match est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Allez, avec Randy Orton contre Finn Balor, Rousseff, Seth Rollins et Roman Reigns Edge. Les deux superstars qui ont le spear, on va dire. Et Rousseff qui va se faire éliminer, là. Finn Balor, pardon, qui va se faire éliminer, excusez-moi. Attention, et Orton qui s'attaque à Rousseff. Orton qui s'attaque à Rousseff. Ouais, ça peut être très vite, enfin, ils peuvent être très vite éliminés, les superstars. Faut faire très attention, il faut faire vraiment très 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 attention. Attention, et Orton qui s'élance sur Rousseff. Alors que Seth Rollins est en train de dominer Finn Balor et Edge est en train de dominer Roman Reigns. Oh la droite. Rousseff qui contre. Oh Rousseff. Rousseff, attention. Et ils sont deux sur Edge là. Enfin, ils sont deux sur Orton. Oh, ils sont deux sur Orton. Edge qui s'attaque à son ancien partenaire de la Rated R Kero. Ah mais Orton qui contre. Orton qui contre. Oh tiens, mange le sol. Alors que Roman Reigns est en train d'éliminer. Roman Reigns est en train peut-être d'éliminer Rousseff. Eh, Rousseff. Rousseff va peut-être être éliminé là. Alors qu'Orton est en train de taper. Non, c'est bon. C'est bon, Rousseff se dégage. Ouh, c'était... Oh, c'était très chaud. Ils peuvent être éliminés à tout moment. Il peut vraiment tout se passer dans ce Royal. Enfin, dans ce Royal Rumble à 6. Oh, et Finn Balor qui s'attaque à Orton avec le dropkick. Ah, il y a Orton qui roule en dehors, enfin, en dessous des cordes. Et la foule qui scande Orton. Hein. La foule qui scande Randy. Et Orton. Orton qui s'attaque à Finn Balor. Oh, la corde à linge! Alors que Seth Rollins va peut-être être éliminé par Rousseff. Allez, Finn Balor qui contre Orton. Eh, attention à Seth Rollins, hein. Oh, le dropkick dans la face de Randy Orton. Non, c'est bon. Rollins qui s'est dégagé. Il y a trop de choses à commenter, je peux plus, là. Il faudra un deuxième commentateur, là, je ne suis pas tout. Orton qui compte Finn Balor. Et attention, il se jette encore sur Finn Balor, mais ses droites, il les adore, Orton. Orton qui va peut-être se faire éliminer par Roman Reigns. Non, c'est bon. Orton qui compte Roman Reigns. Et Orton, le tour du monde d'Orton.
Le tour du monde de Orton. Le tour du monde, alors que Rusev va peut-être se faire éliminer par Rollins. Hein. Non. Et Orton. Orton qui se fait contrer par Roman Reigns. Alors que Rusev. Finn Balor. Finn Balor est à deux doigts de se faire éliminer par Edge. Hein. Eh, Finn Balor, Finn Balor, Finn Balor, eh! Oh, c'est bon, Finn Balor se dégage. Finn Balor a réussi quand même à se sauver, on va dire, la vie. Eh non, non, Roman Reigns. Roman Reigns qui contre Orton. Oh, la corde à linge dans le dos d'Orton et Orton qui roule en dessous des cordes. Et pour l'instant, pas d'éliminé. Hein. Rusev a failli se faire éliminer pas mal de fois. Et Seth Rollins aussi, et Finn Balor aussi. Les seuls qui n'ont pas eu encore de problème, on va dire, c'est Orton, Roman Reigns et Edge. C'est les deux seuls qui n'ont pas eu de problème, je crois, je suis pas sûr. Alors que Finn Balor s'attaque à Roman Reigns, alors que Seth Rollins, depuis tout à l'heure, s'acharne sur Rusev. Orton qui se relève. Il est Orton. Orton. Orton qui s'attaque à Roman Reigns. S'attaque au champion. Alors que Seth Rollins, Seth Rollins. Seth Rollins. Seth Rollins, il est en difficulté là. Et Edge aussi. Non, Edge qui contre Finn Balor. Seth Rollins qui est en difficulté. Oh! Roman Reigns! Roman Reigns et Rollins ont été éliminés en même temps! Les deux membres du Shield ont été éliminés en même temps! Et Roman Reigns n'est plus champion, on va dire, même s'il était plus champion aux yeux de Stephanie McMahon. Il n'y a plus de champion! Nous avons les 4 qui peut être champion, mais les deux membres du Shield ont été éliminés en même temps. Orton a éliminé Roman Reigns et Rusev a éliminé Seth Rollins. Oh, Orton. Oh! Oh, Edge a été éliminé par Finn Balor! Oh là là, les trois finalistes. Eh, Rusev fait partie des trois finalistes. Hein. Attention, oh, Orton. Orton. Orton, qu'est-ce qu'il fait? Ah, et Orton, ouais, il a raison. Il se met à l'écart. Il se met à l'écart. Il laisse Finn Balor s'attaquer un peu à Rusev. Il a raison. C'est très malin ce que fait Orton. C'est très, très, très malin ce que fait Orton. Hein. Attention, et Finn Balor qui va. Et Finn Balor! Oh, Finn Balor qui a fait éliminer Rusev. Hein. Oh! Allez, Orton. Orton qui va relever Rusev. Attention, qu'est-ce qu'il fait? RKO! RKO! RKO de Orton sur Rusev! RKO d'Orton sur Rusev. Oh, il relève Rusev. Oh non, mais Rusev a quand même réussi à contrer. Attention. Et Rusev qui se fait dégager. Rusev éliminé. Finale, Finn Balor Orton. Et regardez le public qui scande. Randy. Oh mon dieu. Non. Orton qui se fait contrer par Finn Balor là. Ça peut être dangereux. Ils sont très proches des cordes en plus. Non, Orton qui contre. Orton qui contre. RKO! 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 RKO sur Finn Balor! Et Orton, non, qui se fait contrer par Finn Balor! Orton qui se fait contrer par Finn Balor! Oh, ça devient chaud là. Là, on n'arrive plus à contrôler. Et Orton, oh! Orton qui vient de se faire calmer par Finn Balor. Eh, le coup de grâce! Le coup de grâce! Le coup de grâce en préparation! Le coup de grâce! Non, contrer! Non, Team 16! Team 16 porté par Finn! Oh non, c'est fini. Attention! On a peut-être notre champion! Finn Balor! Non, Orton. Orton qui s'évade. Oui, j'ai très hardé ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Orton qui s'évade. Attention, et back suplex. Et attention, et non, il attend Finn Balor. Attention, et non, il le met dans les cordes. Non, Dignity. Orton, il est prêt, on le connaît. RKO! Le deuxième sur Finn Balor! Et attention! Orton! Oh non! Orton!
Il relève encore une fois Finn Bálor. Orton. Orton qui met Finn Bálor dans le coin. Il va l'éliminer, il va l'éliminer, il va l'éliminer, il va l'éliminer. Allez, allez Orton. Attention, hey, Orton, 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 Orton. Oui, Orton qui gagne. Nous avons notre champion d'Europe. The Rated R. Excusez-moi. Randy Orton, The Viper. Randy Orton a éliminé Finn Balor. Magnifique Six Man Battle Royale. Oui, c'est fin, regardez. Regardez, là, il a fait être éliminé. Il contre le coup de grâce. Mais après, il se prend le 1915 ou je sais plus c'est quoi le nom. Oh mon dieu. Et là, regardez ce Dignity. Ce Dignity, boum, la tête, la première. Et là, regardez. Boum, l'élimination de Finn Bálor. Oh mon dieu. Nous avons notre champion d'Euro. The Viper. Oh mon dieu. Le Herpex Predator. Randy Orton est notre champion. Ok, qu'est-ce qui se passe? 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 Mais non! Mais non! Il est là! The King of Kings! Le champion Orton et Triple H sont en train de se taper en haut de l'arène! Qu'est-ce qui se passe? Attention, Orton, Orton qui vient de sortir du Six-Man Battle Royale. Et il domine quand même Triple H. Hein. Il domine quand même Triple H. Oh mais Triple H, j'avais tenté un peu ses retours sur le ring. Attention, coup de genou! Allez! Attention, Triple H! Back suplex! Pourquoi il attaque Orton? Pourquoi attaque-t-il Orton? Pourquoi il attaque Orton? Et encore une back suplex. Encore une back suplex. Coup de genou, non, contré par Orton. Orton qui se fait contrer aussi. Et encore une back suplex. Le signe de la DX. Oh mon dieu. Ça fait du bien de le revoir. Triple H a enlevé le costard. Le costard cravate. Allez, les droites. Et les droites de Triple H. Boom. Dans la face. Oh, Triple H, il se fait quand même contrer. Bon, Orton, Orton qui l'envoie. Allez. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Le retour de Triple H peut-être sur les rings. Et il, surtout qu'il attaque le champion. Oh, mon dieu, le coup de genou. Le champion qui vient de gagner, là. Oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, Triple H. Triple H qui emmène Orton au sol. Il va s'attaquer peut-être à son bras. Ouais, au bras d'Orton. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? The King of Kings. Il a eu les cheveux qui ont repoussé. Hein. Oh mon dieu. Triple H. Regardez, il relève Orton. Il lui met des droites. Il s'acharne sur le crâne d'Orton. Oh, regardez. Encore un coup de genou. Regardez, ils se battent. Oh, les arbitres sont obligés de... Les arbitres sont obligés. Obligé de venir. Qu'est-ce qui se passe? Et Orton, 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 souplex sur Triple H. Mais ça devient n'importe quoi. Regardez, les deux sont KO quoi, presque. N'importe quoi. J'espère que cet premier épisode du mode univers vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis bye tout le monde, c'était Reggie, nous vous rejouer, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et bye bye.